In truth, I cannot tell how much time has passed since I sent that letter. Surtout que maintenant tu es mort. Alors, on est de retour. Donc, toi, attends, on est de retour. On avait donc une équipe, on avait fait du vicomte en épique. On avait fait du chemin, c'était sympa. On est sorti avec quelques petites choses et tout ça. Je crois le masque, je sais plus. On a récupéré quelques petits trucs, vite fait. Et de l'argent. Donc on va continuer, il faut qu'on passe du temps, il faut qu'on passe au moins une semaine. Donc la crique ou le wild? Je pense le wild avec ça. Bon, ça on s'en fout un peu, mais... c'est juste histoire en fait de passer une semaine. C'est court et c'est du vétéran. Le vétéran en a un peu besoin pour monter les niveaux des gens. Hop, hop. Alors, on peut faire ça. Le chien, ça serait bien. Woodville. J'ai bien envie de prendre Ponte, mais bon. En vétéran, ouais, en vétéran, ça devrait passer honnêtement sans soin. Sans vrai soigneur. Non, tu peux rester là, honnêtement. Hop. Toi. Riposte, protection. Ouais, non, c'est pas mal. On va prendre cette équipe parce que comme ça en fait on augmente des gens qu'on en a besoin en fait. On a besoin d'hommes d'armes, on a besoin de maître chien parce qu'on a que celui-là. Ouais. On a besoin d'antiquaire parce qu'on en a qu'une seule qui est au niveau 6. Et mousquetaire parce que voilà. Donc juste regarder vite fait les quelques petits trucs et après on y va. Donc bon, c'est du vétéran court, sans soins, c'est pas vraiment nécessaire. Pam pam. Ok, très bien. Voilà. Après, je crois que toutes les... Oui. Ah, y a ça. Mais sinon, tout est bon. Ouais, il faut juste qu'ils passent au niveau... Ça va nous coûter cher, par contre. Une fois qu'ils seront au niveau supérieur, là, ça va nous coûter un peu cher. Ok, on va les équiper, on va partir. Alors, pour le maître d'armes, on va faire... Je pense du basique. Ouais, du basique. Pour le chien. Ça, c'est quoi, ça, déjà? Planche de repérage. C'est pas si mal ça honnêtement le repérage. 25%. 25% de chance de repérage, c'est quand même énorme. Bon, faut l'avouer. On va tester un peu. Je voudrais du soin en plus pour toi. Après tu peux prendre ça. Toi je veux. Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Précision vitesse, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je sais jamais quoi leur mettre au tireur. Je sais jamais quoi leur mettre. Genre de vertu. Là on a quoi? On a précision écrite et là on a de la précision et vitesse. On avait quoi d'autre? On avait quelque chose de... Oui, oui, on avait ça. Oui. C'est vrai. Ouais, c'est pas mal. C'est pas si mal, j'en dire. Bon, après c'est du vétéran, donc ça va, ça devrait pas être trop difficile. Hein, toi t'as du soin. Ok. C'est bon, on va y aller. Ça.
ça, ça. Ah oui, on m'a expliqué aussi que la poussière des classes, ça refresh en fait nos habilités, je crois, si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué. 3, 2, 3. C'est vrai que j'en ai jamais parlé, ça fait un moment en plus qu'on me l'a dit, mais j'ai pas. Honnêtement, j'ai complètement zappé. 1, 2, 3. Donc oui, en théorie, on peut utiliser ça pour remettre à zéro nos habilités quand on fait les la farm infinie là, de la ferme pour chaque round en fait. Donc on peut utiliser un repérage. On peut utiliser un homme d'armes sans problème. Donc ça c'est vraiment bien. Vraiment très bien même. J'aurais dû peut-être prendre plus de torches. J'en sais rien. On verra. Après ce run par contre je vais devoir sûrement faire une pause et je couperai, je continuerai parce que j'ai des choses à faire. C'est vrai que de rester 2 heures devant le truc... En ce moment, c'est un peu compliqué. La caisse est vide. Ben voilà, ça valait vraiment le coup de rester dans le noir. Très bien. Boing. Ouh, un géant infecté, non. Pam, 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 pam. Donc ouais, donc des habilités en fait super puissantes, on pourrait les utiliser plusieurs fois. Ça, je trouve ça intéressant. Ok. Genre ça. Par exemple. Donc ouais, très très intéressant. Poste. Waouh, bien joué le chien. Et en théorie, du coup, on peut spammer. On peut spammer une habilité parce que ça dure un combat, donc tant qu'on a des potions en fait on les cumule et on l'a fait plein de fois en gros je pense. Par exemple on prend l'habilité de l'homme d'armes là, on fait celui là qui reste un combat, genre esquive 10, stress moins 15%, et genre ça on le fait plusieurs fois d'affilée, on peut le faire, ça marche. Ça serait un peu abusé, non? Bon après on est quand même limité, hein. On est quand même assez limité dans les potions là d'éclat. On est limité quoi, 6 peut-être? Peut-être même moins. Ouais, c'est une chose assez intéressante à garder en tête. This expedition at least promises success. Ah, merde. Super, bien joué. The way is lit, the path is clear. We require only the strength to follow it. Pam, 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 pam. J'aurais dû peut-être marquer l'homme, enfin c'est pas grave. Bien.
Parce que c'est vrai que l'homme d'arme pour niveau support, c'est vraiment bien. Pour les combats longs, c'est vraiment top. Donc du coup, ouais, ça m'intéresse. Il y a aussi quelque chose que je veux tester, mais ça va être compliqué de l'appliquer. C'est pour l'antiquaire, là. On a une babiole qui fait 35 d'esquive, là, on l'avait vu déjà. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir une bouteille d'éclat, là, dans l'inventaire. Et ben, le gros problème, c'est que... ça prend une case de l'inventaire. C'est un peu comme les biscuits et tout ça. Ça prend une case, donc ça, c'est un problème. Mais elle a 35 d'esquive. C'est plus que tout ce qu'on a. En une seule babiole, 35 d'esquive, c'est énorme ici. Donc ouais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ça peut être intéressant quand même. Très bien. Ah, parfait. On pourrait limite avoir un homme d'arme en quatrième position, quoi. Pour la farm infinie, là, quoi, je dis. Genre en quatrième position et le faire genre pur... pur support, en fait. C'est qui a touché le truc? Mauvaise conscience? Non, c'est qui a touché le bordel sans permission? Je crois que c'est lui. Hein. C'est la moi souffre d'une torture morale causée par des faits réels, imaginez. Agiomanie, obsession pour la sainteté. Je crois que c'est ça, c'est Agiomanie. Donc, hop, avec de la chance. Yes, parfait. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. Bien. Pourquoi t'as un debuff, toi? 15% jusqu'au campement. Si on peut éviter de la faire stresser et la rejouer plus tard, je préfère. Très bien. Ah oui, on m'a parlé aussi de babiole unique, un peu comme celle du collecteur par exemple. Mais c'est avec le machin qui se balade la nuit là. On l'a toujours pas combattu depuis. C'est vrai. Depuis le début du jeu, on l'a toujours pas fait. Donc ça serait une chose à faire. Great is the weapon that cuts on its own. Très bien. Oh, mais ça doit être horrible, tiens, en prenant des vampires dans la farm infinie, là. Pas quoi que, ils ont pas vraiment trop soif, souvent, quand on combat. C'est surtout quand on marche, en fait, qu'ils ont soif.
Ah. Ah, ça va. Nature herself, a victim to the spreading corruption, malformed with misintent. Il n'y a plus qu'une torche. Mais non. Et si. The blood quickens. Solitaire. Marqué. Et on va lui tirer dessus. Pam. De toute façon, on a bientôt fini. Petit run très simple. On va le marquer si on peut. Ah, cette marque, hein. Il y a beaucoup de gens qui aiment pas vraiment jouer avec la marque. Honnêtement, je comprends pourquoi, hein, parce que c'est tellement... tellement aléatoire. Hop. Finding the stuff is only the first test. Now it must be carried home. C'est tellement aléatoire. Ça, on n'a pas besoin. Pas ça non plus, honnêtement. Comme ça. Ouais, mais on peut peut-être trouver des trucs sur le... sur le chemin, en fait. Oh, merde. Donc c'est ça, la torture morale, en fait. C'est peut-être la torture morale, en fait. Ouh, par contre... Non, ça va. Laden with loot are often low on supplies. Parce que là on est un peu dans le noir là. Faudrait s'équiper peut-être. Un jour faudrait s'équiper en en objet peut-être pour avoir des bonus dans le noir là et aller farmer, enfin farmer, aller trouver le, la bestiole qui erre dans le noir. Unnerved, unbalanced.
Mais elle est très difficile, il paraît. Il paraît qu'en champion, c'est la pire. Parce qu'en théorie, quand on monte de niveau, ça, certains boss deviennent plus simples. Genre les boss, tout ça, genre la sorcière, nécromancien, tout ça. Honnêtement, en champion, on n'a pas vraiment de problème. Parce qu'on a des persos extrêmement élevés et tout. Apparemment, l'autre créature est vraiment très dangereuse, très puissante. Impressive. On va tester. Ok, ça on n'en parle plus. On va pouvoir lui tirer dessus. Joli. Parfait, parfait, parfait. Confidence surges as the enemy crumbles. Non, on n'a plus rien à garder. Oula, on est bon. Paths and roads bring soldiers and supplies. Ah, je vais pas rester moi. Ah, 12 000, très bien. Voilà, tous niveau 5, parfait. Frappe de précision, mêlée crit 5, c'est bien ça. Hey, ils ont tous des bons trucs. Cool. Tous des bons trucs. We dug for months, years, an eternity, and we were rewarded with madness. Les lumières, le courant tumultueux de l'éther souffle avec grande vigueur ce soir. La matière particulière de la comète vibre avec extrême intensité. Ah! Alors, entre tes teintes, t'as plus ça, t'as plus cupidité, t'as plus de poussière. Ok. Ah! Du coup, ça m'intéresse. Je regarde un peu les objets. Bah tiens, vu qu'on parlait de la ferme. Reflet insupportable. Stress plus 33, contenance de stress moins 33, monstre, vitesse plus 4. Ah tiens, infestation aucune. On va pas trouver d'invite du coup. Donc on est obligé de faire ça, je crois. Ah. Okay. Qu'est-ce que je fais moi du coup? Ouais non mais là il faut peut-être pas passer à côté en fait. Il y a aussi un objet qu'on m'a dit que je pouvais prendre. Oh, ça c'est quoi ça? Oh le croisé. Compétence de soin 33%. Oh ça on l'a pas ça, je crois. On va l'acheter.
Pas trop cher, ça va. Le flash de lance, on a. Et l'anneau tueur d'humain, on l'a aussi. Oui, on m'a dit que les objets, en fait. Alors, éclat donné plus 15%. Après, il y en a un autre. Je crois que c'est ça. Éclat donné plus 25%. On pourrait peut-être prendre ça et aller farmer, en fait. Éclat donné plus 15%, ça a l'air pas mal. J'en ai fait un saignement plus 50% si biscuit de chien dans l'inventaire. Ça, c'est vachement bien, quand même. Bon, esquive moins 10, c'est un peu relou. Ouais, en tout cas, c'est... Pour... non... L'antiquaire, ouais. Esquive 35%. 35. C'est vraiment pas mal. Bon, après, la précision 15, ça fait peur, mais... Mais bon... Lèpre, précision, 6 bandages dans l'inventaire. PV max. Je sais pas trop. Je vais y réfléchir. Mais bon, la prochaine fois, du coup... Enfin, la prochaine fois. Je pense qu'on va devoir... aller faire les cristaux. Et je... Je pense qu'on va, on devrait peut-être prendre l'éclat donné, 15%. Je pense qu'on devrait prendre ça. Ben voilà, c'est fait de toute façon maintenant, on ne peut plus revenir en arrière. Et on va aller farmer donc des trucs là. Ouais, je vais faire une petite pause, je vais faire mon équipe. Et on va faire ça, parce qu'on a 100% de cristaux là, ça va être cool, d'éclat. On a aussi toujours ça aussi, je n'ai rien fait, c'est bien. Donc ouais, ok, je reviens tout de suite. Ok, on est de retour à faire du la ferme. On va faire des tests, ça va pas vraiment être un run parfait honnêtement. Il me faut 6 personnes, non 5 à la limite, il me faudrait 5 personnes. Bon, on va faire un run comme ça. Pas très très original. En fait, j'en ai envoyé pas mal en au sanatorium. Il y a Woodville, Wisson et Druel. Pour leur enlever, genre Druel, on a ça qui est chiant. Les autres, je sais plus trop. Par activité, on a quoi? Ça doit être tout en bas. Ouh, j'ai du mal à scroll. Va falloir que je change de souris, je sens. On a Bostol qui est en train de déstresser aussi. Woodville, je suis en train de... J'ai envie de tester un truc avec Woodville, c'est ça. Alors attendez que je vérifie. La riposte. Il y a ça là, une critique plus 5% dans les compétences de mêlée. En théorie, ça marche sur la riposte, je pense. Je voudrais voir si on peut faire une sorte de d'homme d'arme qui riposte en fait en faisant plein de critiques. Donc voilà, je suis en train de verrouiller ça. Pour lui, je suis en train d'enlever la mauvaise conscience. Donc Druel, c'est l'appétit de corps vidé, ça c'est une horreur. Voilà, donc ouais. Et Bostel est en train de se bourrer la gueule, bah, tout simplement. Donc on va utiliser ça comme équipe. On va utiliser ça, donc Maneili. Avec de l'esquive et du soin. Je me rappelle plus si les torches, elles sont comptées à 75 ou pas. Je crois, hein, elles sont comptées à 100, je crois. Donc il y a ça. Maneli, il y a juste un truc qui est embêtant, je crois. Quoique non, non, ça va, elle. Bon, après, elle n'a pas vraiment, genre, soin 20%. Ce serait bien qu'elle ait, genre, compétence de soin 20%. Ça nous ferait 50 avec ça. Ce serait vraiment intéressant. Enfin bref, on l'a pas. Pour notre jester, on est comme ça, tout simplement. Après, Marcy, elle a visée faillible. Ça, c'est un peu chiant, ça. Ça. C'est très chiant, même, j'ai envie de dire. On lui a verrouillé endurance, honnêtement. Je suis en train de me demander si c'était une bonne solution. Enfin, bref, c'est pas grave. Oui, aussi, je vais tester donc le médaillon de Mildred.
Donc quand on va combattre le meunier, normalement, on devrait avoir des effets spéciaux. Voilà, bref. Et après, on a Verdun. Parce que, voilà, Verdun, il est bien pour se faire soigner. Il a aussi précision plus 5, honnêtement, c'est vachement bien. Je suis même en train de me demander si on devrait pas enlever, par exemple, genre ça, spiritualité, et le remplacer par instinct de combat, tout simplement. Tout simplement. Parce que je me demande si c'est vraiment utile de lui rajouter de la précision à lui. Mais après, je sais pas trop quoi mettre. Ouais. Je sais pas trop quoi mettre. On peut lui mettre de la défense ou... PV, vitesse, esquive. Peut-être. Mais ouais, en théorie, il devrait pas louper. Enfin, pas souvent, en tout cas. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti. On va voir un peu jusqu'à où ça nous mène. On va prendre un stack de chaque, pas plus. Donc la poussière des classes, c'est pour reset les habilités là, mais nous on n'en a pas besoin parce qu'on n'utilise pas vraiment ça. Les pelles, on n'en a pas besoin, les clés non plus. L'Odanum peut-être, à la limite. Et voilà, on est prêt. Je crois. Ouais. Let's go. The poor miller. Thrice a victim. The seasons took his livelihood. I took his land. And now, uncountable years later, the comet has taken his humanity. My only regret is that I did not live to see that shoddy mill smashed to pieces by the miraculous bounty I reaped from beyond the void. Uh-huh. Je répète toujours la même chose. Allez. Et j'ai mis le pendentif de cristal pour avoir plus de cristaux. Il a quand même... Oh, putain, ok. Il a quand même beaucoup de stress en plus. J'espère que ça va bien se passer. On va voir. Donc on va faire ça vite fait. Enfin vite fait, ça va prendre du temps. Mais ça sera peut-être la fin de notre épisode en fait avec ça. On va voir un peu comment on se débrouille. Ok, donc apparemment on est très lent. C'est bien, ça commence bien. Ça commence bien. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de ça. Joli, joli crit. Joli crit. Tiens, c'est vrai que j'ai oublié de me mettre devant. Mais c'est pas grave. Bam! Ça y va les crit, oh. Vous êtes tous vénères, c'est ça? Ah, vous êtes tous vénères. Pardon. Ah, j'aurais dû peut-être le taper. Bah quoi. Hop. Ouais, en deux tours, ça va, il va mourir de toute façon. Très bien. Bam. A victory. Perhaps the turning point. J'ai un peu les HP. Ouais, on va peut-être soigner un tout petit peu. Très bien. Boum. Ok. Cristal qui saigne. C'est pas mal ça. La pose du laveur. Ça me fait marrer. Moi. Alors, très bien.
Hop. Un peu plus de saignement. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, très bien. On aurait dû peut-être le stun à la place. Je sais pas trop. C'est pas trop grave, honnêtement. On esquive que dalle, hein, quand même, hein, avec les deux, là. Avec des deux de là à l'avant, on esquive rien du tout. Mais bon. Confidence surges as the enemy crumbles. Très bien. Ah tiens, j'aurais pu le couper lui. En AOE, maintenant que j'y pense. En AOE, en utilisant celui du milieu. Tiens, intéressant ça. Parce que lui, il tape les deux du centre en fait, le 2 et 3. C'est pas mal. C'est vrai que c'est pas mal comme ça. Il y a pas mal. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Parvient au même, non? Non, 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 il faut se mettre quand même. Ok. Il nous faut le chien. Quand j'aurai le chien, je ferai un test avec le chien. Le maître chien, là. Ça sera pas mal, je pense, en AOE. Aussi. Impressive. Très bien, je crois que ça fait 3 morts au moins. Non, 2 morts. But never hidden. The slow death. Unforeseen. Unforgiving. Parce que j'ai pensé aussi, c'est qu'il faut du dégât pour le boss. Ah, donc ce groupe là est honnêtement potable pour le boss. Ça se passe bien. C'est bon, là c'est bon aussi. Hop. Slowly, gently. This is how a life is taken. Nickel. Corrupted curiosities begging for examination. OK, suivant. Ok, là avec le contre-maître, ça commence à être marrant. Et par marrant, je veux dire chiant. Très bien. On est toujours buffé ? Ouais, on est toujours buffé, ouais. J'ai pris tellement l'habitude de jouer avec les flageolants, j'ai du mal à les enlever en fait de l'équipe maintenant. Le fait qu'ils soient aussi résistants et qu'ils soient aussi utiles, j'ai énormément de mal de pas les mettre dans ma composition en fait. J'ai remarqué. C'est à chaque fois je dis ah bah tiens je vais mettre un flageolant en premier. Genre en fait je dois choisir 3 personnes. Je dois pas en choisir 4, je dois choisir 3 personnes. Precision. Très bien. A time to perform beyond one's limits. Un truc qui serait bien, c'est de pouvoir prendre des babioles sur nous, dans notre inventaire. Ça serait vachement intéressant, ça. Je trouve.
Comme ça, on pourra faire des changements en fait pendant les combats. On pourrait par exemple, pendant les premiers niveaux, là, passer, genre on met les babioles qui font 25% et tout ça, là, de courage, là, de vertu. Parce que je crois que de base c'est 25%, donc après on pourrait le mettre à 50. Et après je crois qu'on peut l'augmenter encore un peu. Donc on mettrait deux babioles qui augmentent ça. On fait que passer notre tour au début. Comme ça la personne avec les babioles devient... on va faire quoi là devient virtueuse. Et après au prochain... Au break en fait on change. Je crois qu'il y a des gens comme ça, ils parlent de farmer la vertu en fait. Ça peut être vachement utile, hein. C'est sûr que c'est utile. Genre il y a des vertus qui font baisser le stress à tout le monde, il y en a d'autres qui font des buffs offensifs, des buffs défensifs, du régène. C'est pas de la merde hein, à chaque fois. J'avoue que ça serait intéressant. Tu te prends autant de trucs, honnêtement. T'es pas censé résister un peu? On pourrait faire ça. Ça serait une technique. Mais le problème, après, comme d'habitude, c'est qu'on est bloqué, en fait. Avec deux babioles qui sont juste là pour la vertu. Et dans un sens, ça veut dire qu'elles servent à rien d'autre. Donc, c'est aussi un problème. Mais bon, je pense qu'une personne virtueuse est plus intéressante. Après, on n'est pas obligé de le mettre sur des DPS. Hein. On peut garder les DPS avec des babioles de combat. Et après, on met virtueux sur les autres. Et après, on change les babioles, on les intervertit. Et j'adore cette musique. Je veux que tu meurs du dot. Très bien. A decisive pummeling. Ça va. Ah, on a fini. Ok. At last, some sheltered corner of reality. Boss? Ah non, non, c'est d'abord le changement. Bête et impie. Alors, change d'infilus animé augmenté, le son aussi. Pareil pour eux. Très bien. On va essayer de les tuer vite parce qu'ils font mal quand même. Ah.
voir. 10 à 19. Ouais, on va faire comme ça. Ça fait plus de dégâts. Bien, bien, bien. The bigger the beast, the greater the glory. Voilà. Maintenant, on peut déstresser tranquillement. Oh là là, 100% saignement ou quoi ? Fou ça. Les cochons. Étincelante. Ah oui, c'est vrai que toi tu vas te mettre derrière. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah, ils ont beaucoup de résistance à l'infection en fait. Très bien, ça fera le celui-là du centre, il va mourir comme ça. Bam. Ah. Ouais, 115% de résistance. Ouais. Mal, hein. A momentary abatement. Ça va. On gère. On reste calme, on reste calme. On va se concentrer sur lui. Il a un bon crit, la Marcy, là. La très bon crit. Plus de saignement, très bien, comme ça fait un mort. Oh là là. Pour the slightest lapse in concentration. Continue avec ça. Après, on baissera un peu le stress si on y arrive. Et on a le temps. Là, c'est un problème. Faudra en finir en fait. Très bien. Voilà, une attaque préemptive. Oh la vache, tu te prends de full critique toi, c'est ouf quand même. Pas encore heureux qu'on avait stun l'autre. Hein. Voilà.
falls. De prendre toujours des critiques en fait, c'est assez ouf. Assez incroyable. Oh mon dieu. A dizzying blow to body and brain. Aïe 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 aïe. Ah, c'est embêtant parce que déjà elle a des stats en moins maintenant du coup. Bah, c'est chiant. Ça. A brilliant confluence of skill and purpose. Faudrait que je regarde le nombre, le pourcentage de critiques parce que j'avoue que c'est un peu incroyable. Va faire au moins depuis 5-6 tours qu'elle tape, qu'elle fait des critiques tout le temps. Monstrous size has no intrinsic merit, unless inordinate exsanguination be considered a virtue. Ça va un peu. 34% pourtant. C'est pas énorme. Ah bah tiens, c'est pas un crit, voilà, j'aurais dû fermer ma gueule. A momentary abatement. C'est bon, on a repris le dessus. Save 23. C'est pas énorme. Je trouve que c'est pas énorme. Anchored on solid ground once more. Double crit. Oh, pour un HP. Faut faire baisser notre crit. Que je raconte. Baisser notre stress. Entre les crits et Jester, ça va. Pas un crit. Par contre, elle fait quasiment jamais de crit quand elle envoie sa lance. J'ai remarqué.
Oh la vache. Ça en fait du stress, hein. Ah, c'était peut-être lui qui devait... Bah non, non, le cristal, les cristaux, les éclats, pardon. Ils nous les ont donnés directement, donc... Donc c'est pas lui qui doit genre ouvrir la boîte ou un truc comme ça. Parce qu'il a le, il a la babiole pour récupérer plus d'éclats. Je trouve la OST. Color of Madness OST. Voilà. Ok, j'ai... Okay. C'est bon, on est bon. J'ai tapé le pro. Le bon, à un moment, j'ai un peu trop glissé avec la souris. Très bien. Eh ben. Les ténèbres fuient. Ah là, j'ai pas eu le temps de lire. Non, c'est pas le cheval que j'ai... Ok. Là, il y a le maître d'armes que je voudrais bien avoir dans l'équipe. Maître d'armes... On le mettra en full riposte. Ça peut être pas mal. Mais après, on met quoi d'autre? J'aurais dû faire saigner le cheval. Ouais, peut-être. Ça va pas être assez. Aïe, aïe, aïe. Les stuns aussi. Ah mais super quoi. Putain le... Battle behind, battle ahead. But for a moment, peace. Ouais. C'est pas très fameux. Hein. Pas très fameux. On a de la protection. J'aime bien le personnage d'armure pour tout le monde en fait. Alors, protection PV max. Personnage d'armure plus 15%. Tout a un point faible. Après on a précision et crit. Précision et esquive. Je crois qu'on va prendre précision écrite. Tous les compagnons, stress moins 15%. On va prendre précision écrite. C'est pas mal ça. Embrasé.
Alors, dégâts contre les marqués, malus. Okay. Ah, là, on va prendre cher en stress, par contre. Ouh, crit! Tu fais à peine 9 de dégâts, c'est triste. Alors, par contre... On va essayer de tuer les deux derrière, là, vite. Par contre, niveau stress, on est dans la merde. Là, on est officiellement dans la merde. Joli. Bon, on va enlever le saignement, je pense. À 6 pendant 3 tours, ça fait beaucoup. Ah, on devrait pouvoir se gérer pourtant. Bien. Ah non, je voulais lancer la lance. Ça va. Voilà. Magnifique. Ah, il est résistant, Verdun, là, du coup. Back to the pit. Bien, bien, bien. Ok, on reprend. On est reparti. Mortality clarified in a single strike. Ah, ça fait mal en stress. Hein. Ouh, résistance partout. Cool. Cool, cool. Ignoble créature. Très joli. On arrive bientôt à notre break. Je suis même pas sûr. Ouais, on n'aura pas le temps. Resupply and recover, but be quick. Ouais, c'est un peu nul, on a que du soin. Ah, ça y est. Amour immortel. Malus fait souffrir mon cœur de sympathie. Oh. Protection moins 20%.
Et lui, là, du coup, du stress en moins, je crois. C'est ça à cause de... Bah, normalement, c'est à cause de ça, mais c'est lui qui devrait avoir les bonus, pas le flagellant. Bah, je sais pas. Bien, bon dégât. On peut le stun ? Pas vraiment. Maître appel. Sérieux là? Ah, le machin il rentre, il joue quoi, c'est ouf. Première fois que je vois ça. Genre ça devait bien tomber en fait son... son tour. Ah. J'aurais pas dû faire ça. Ah, quoique, c'est 14 points d'HP quand même. Donc je l'aurais pas tué. Est-ce qu'on peut te stun un peu quand même? Pas vraiment. Prochain tour, on rebuffera. Ah oui, c'est vrai qu'il c'est quoi? C'est compétence de protection. D'accord. Hop, zéro de dégâts. Zéro dégâts contre la moisson. Ouais, enfin les autres ils prennent pas zéro dégâts par contre, donc doucement quoi. Putain. C'est ouf ça. Quel est-il de l'homme présenté dans le médaillon? Ah, ça lui remet le debuff en fait. Ça c'est cool. Il peut mourir lui? Putain. Oh yes, super. Oh oui, j'avais oublié ce détail. Oh putain, ça va pas le tuer. Knowing uncertainty, the birthplace of dread. Passion is a rarity in the fevered pitch of battle. Eh ben. On va essayer de maintenir un peu le stress quand même. Je voudrais bien arriver jusqu'au boss de l'autre boss quoi. Ah! Ça va être fun. Bon, au moins il peut pas les leur souffler dessus là pour se protéger, c'est déjà ça.
C'est déjà ça. On lutte, hein. On n'est pas efficace. Hein. Je me rends compte que... qu'on est vraiment pas efficace. Hein. Incroyable. Une petite seconde. Ouais, c'est pas vraiment une bonne équipe au final. Enfin, c'est Pota, mais je sais pas. J'aurais pensé que ça serait mieux. On va tuer toi. Ah, j'ai ma souris qui reste bloquée, quoi. C'est chiant. Ah, oh, ça me gave ce combat. Ah, ça y est, c'est bon, j'ai plus envie là. Ça y est, ça me saoule. On met 7 ans à tuer les trucs en fait. Et c'est là qu'on va me dire, ah mais oui, bah, il faudrait des dégâts. On en a pas. On a que des dots. Vas-y, passe en euphorie. Ça fait quoi déjà l'euphorie? Ça augmente. Affliction 25%. Ouais, après t'as moins 20 de d'esquive aussi, ça c'est le problème. Tant qu'on va sortir, j'arrive même pas à tuer le boss, quoi, mais sérieux. Oh mon dieu, je fais tellement de la merde, c'est ouf, quoi. Ouais, j'y arrive pas. C'est ouf, ça. Après, les dots, c'est bien dans ce mode de jeu, mais... Maintenant que j'y pense, en fait, c'est que... Comment dire... Ils ont tellement peu de vie, à la limite, je suis sûr qu'on peut les one-shot, en fait, dans beaucoup de circonstances. Je vais pas y arriver. Ouais, c'est bon. Alors...
si on fait en continu encore. On a tellement du mal à le mettre à... À lui baisser sa vie, quoi. Oh, j'ai pas envie de continuer. Pas soigner. Va te faire mettre. Un cristal, honnêtement, c'est le mieux, c'est le cristal. C'est le mieux. C'est le plus facile à tuer, en fait. Putain. Il me faudrait Giant Dad, en fait. Giant Dad qui coupe les trucs. Courage. Ah. C'est un piège, ça. Ça, c'est un piège, c'est pour me forcer à continuer. Mais c'est un guet-apens, ça, c'est un guet-apens, ça. Ah. Voir avec ton coup combien tu vas mettre. 13 de dégâts, on va d'accord. Réfraction. Qu'est-ce que c'est que ça? Tourne, tourbillon, les murmures, nargue et révèle. Quoi? Réfraction. Ignore la furtivité. Ça veut dire, c'est quoi? Moins 10, affliction, donc moins 10%. Moins 5. Moins 15 en maladie, moins 15 en saignement, moins 15... Eh ben putain, on a un truc nouveau, réfraction. Mais c'est mauvais quand même. Bah, il ignore la furtivité par contre. C'est le seul point positif. Bon, ouais, non, là, lui, il va tout jouer. Lui, il va jouer. Ils vont jouer deux fois. Non, c'est bon. On sait pas jouer, on sait pas jouer. Hein. Spiritualité. Bah c'était bien nul. Bah c'était bien nul. Là j'avoue que j'ai fait vraiment de la merde. Truth, I cannot tell how much time has passed since I sent that letter. Et là du coup on a perdu le... Oui, on a... Oui. On a perdu le bonus. On est sorti avec 40... retire aux 44 amis qu'ils ont menti. Avec le butin, retire aux 44. On a tué que 44 personnes, on a eu 38. C'est nul. Oh la vache. Eh ben putain. Oh, c'est quoi ça? Couronne noire. Moins 25% si torche inférieur à 26. Change de vertu plus 15 si torche inférieur à 26. Ouh, on connaît pas ça. Il y a plein de trucs encore qu'on n'a pas vu. Hein. C'est vraiment cool ça. Anneau lunaire. Couronne solaire. Ça aussi, on n'en a pas. Bon, bah, c'était... Ouais, c'était complètement nul.
On a toujours les gens là-bas parce que du coup la semaine elle passe pas. Ouais, non, c'était complètement nul. Ça nous. C'était nul, 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 nul. Du coup, on a des trucs à enlever parce qu'on a fait de la merde. Donc, lui il a le tétanos. Et la spiritualité aussi. Mais spiritualité, en fait, on va pas le loquer de la plupart du temps. Parce que j'en ai loqué quelques-uns, mais au final, ça aide pas vraiment. Alors, tétanos. Quoique. Ah putain, ouais, c'est trop tard maintenant, de toute façon. Toi, voilà. Violence. Ça, en fait, faudrait lui enlever ça. Putain, j'arrive pas à lui parler. Réfraction, là. Avant de lui enlever le tétanos, peut-être. Enfin, j'en sais rien. De toute façon, c'est pas comme si on allait les reprendre. Toi, t'es devenu fou aussi. Ah merde. A little hope, however desperate, is never without worth. Lui on va pas l'utiliser. Ah si. Ah merde, il était dans notre équipe en plus, quel con. Oh, comme débile. Il était dans notre équipe de vampires là. Ah mais de toute façon, il faut des invitations. Il faut des invitations de toute façon, donc autant aller le faire déstresser. Parce qu'on va pas y retourner avec, avec le jester. Eh ben, c'était bien de la merde. Ah oui, j'ai mis un autre mode. Donc c'est ça. Énorme. Et apparemment, il y aurait une version homme et femme. Donc ça, c'est la version femme. Après, il y a la version féminine qui est un peu plus légère et en théorie, il devrait pas avoir la même tête aussi quand il reste au camp. Donc faudra regarder. Parce qu'on avait vu que celui-là, il y avait un petit pixel là, c'était pas beau. Donc je me suis dit, je vais en mettre un autre de skin. Donc voilà. Bon, bah, je suis un peu deg. Je suis. Non, non, pas un peu. Non, non, je suis beaucoup deg en fait. C'était nul. On a fait de la farm. C'était de la merde. J'ai bien fait de la merde. Je suis très content. Voilà, ça arrive. Ça arrive, ça arrive. On va jamais les faire, ces bâtiments. Putain, on a à peine 30. C'est incroyable. Oh là là, dégoûté de moi. Bon, c'est pas grave. Prochaine fois, on va... Donc prochaine fois, donc là normalement il n'y a pas d'infestation. Donc du coup il faut quand même aller récupérer ça. Alors peut-être qu'on peut prendre, on peut trouver les œufs en se déplaçant. Peut-être que l'infestation avec les œufs c'est pas lié aux œufs, mais l'infestation c'est lié aux monstres aléatoires en fait. De temps en temps vous allez avoir des suceurs de sang au lieu des monstres normaux. Je crois que c'est plutôt ça en fait. Alors donc peut-être qu'on va n'importe où et on peut tomber sur ça. Par contre, je veux bien récupérer ça. Je veux bien aller récupérer ça la prochaine fois. Ou alors on va récupérer du sang. Au pire. Mais ça, comme ça, on peut peut-être tomber sur la chose des étoiles. Ça nous fera des cristaux. Vu que je suis nul à farmer. Mais bon, faudra refaire un coup de farm là. Ouais, lui, il est plutôt pour tanker et rester en vie. L'autre, je voudrais le transformer en tant que DPS avec riposte. Mais ouais, non, on a vraiment une équipe. C'était une mauvaise équipe, là. Une très mauvaise équipe, du coup. On peut pas doter le boss. Du coup, ça nous aide pas. Ça nous aide pas du tout. Il faut du vrai dégât, du DPS. Enfin. Peut-être qu'on testera, genre farmer le... Je sais pas comment ils disent, genre farmer la virtu, là. Comment on fait ça? Des objets, du coup. Putain, avec souris de merde, là. Il nous faut... Donc, il y a l'anneau. Il y a celui-là, 25%. Après, il y a sûrement autre chose. Ah oui, le... Mon dieu, j'arrive pas à monter. Ça. Donc, 45%.
Donc on peut arriver à 45%. Et voir si ça marche. Ça peut être intéressant. Ça peut être très intéressant. En tout cas, à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé. Du coup, l'épisode est un peu plus court que d'habitude. C'est pas grave. La prochaine fois, on fera un truc un peu plus long. Ah, je suis dégoûté. J'ai fait de la merde. À la prochaine. Ciao.